Et salut à toutes et à tous, et on a fait 3 mètres, on prend déjà un panneau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer un bon moment puisqu'on va revenir dans le passé avec, vous l'aurez peut-être reconnu pour les plus anciens, Richard Burns Rally. Alors, si vous ne connaissez pas Richard Burns Rally, eh bien c'est un jeu sorti il y a plus de 10 ans sur, à l'époque, PlayStation 2 et PC. Et il faut avouer que depuis, eh bien, on n'a pas fait mieux. Ça reste aujourd'hui l'une des physiques les plus agréables et les plus utilisées. Alors, je suis en live pour vous faire découvrir ce petit bijou que j'ai trouvé et que je vais vous partager dans la description. Un lien Mediafire d'un giga et demi à peu près. Et dans ce lien, vous allez trouver une version standalone de Richard Burns Rally contenant les voitures du WRC 2016. Alors, je m'explique un petit peu tout au long de cette vidéo. On va passer en revue chacune des voitures et grâce à la magie du montage, je vais vous varier les plans entre les vues on-board et les vues bord de piste. Alors, n'oubliez pas que c'est un jeu ancien. Il y en a certains qui vont déjà arriver sur cette vidéo et faire « Ah, c'est moche, ça pique les yeux !» Bon, évidemment. Mais quand on regarde de plus près, ça n'a rien à envier à Air Factor 1 ou autre. Hein, donc... La physique est l'atout majeur de ce jeu, sorti donc à l'époque, et aujourd'hui modé jusqu'à la moelle de par création, de pistes, de modes, de circuits, de voitures, bref. On a tout vu sur Richard Burns Rally en mode. D'ailleurs, je vous conseille le très bon RS-RBR. L'édition 2016 est dispo déjà depuis longtemps, la 2017 arrivera, qui reprend énormément de voitures et de spéciales à travers le monde. Vraiment excellent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a droit à 6 terrains de jeu qui correspondent à peu près à tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire la boue, la terre, la neige, l'asphalte, et c'est à peu près tout. À travers quelques rallyes qui ne sont pas au bon nom, hein. Le nom du rallye n'est pas le bon par rapport à ce que vous sélectionnez, mais l'ambiance est la bonne. Ici par exemple, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à la Finlande, et pourtant on n'y est pas du tout. Et cette première spéciale va bientôt toucher à sa fin, je l'espère. J'essaie de prendre des spéciales de 2-3 minutes pour vous montrer en fait chacune des voitures. Peut-être pas toutes les faire, mais je vais essayer de freiner. Allez, frein à main, évidemment. Alors toujours la gestion du frein à main qui est excellente avec ce jeu. Le transfert des charges et des masses qui est toujours parfait, évidemment. Et je dois avouer que le grip donné à ces voitures version 2016 est très très bien retranscrit. Alors c'est un indépendant qui a créé ça, malheureusement je n'ai pas retrouvé le nom. Je dois tout vous avouer, j'ai trouvé ce mode sur eh bien, la chaîne d'un autre youtubeur que vous connaissez peut-être, Jimmy Broadbent, qui est un pilote simracer britannique qui nous fait un peu de contenu de temps en temps. Et j'ai vu cette vidéo, j'ai dit tiens, on va tester tout ça. Ça a très vite été téléchargé et depuis je ne fais qu'y jouer. Alors évidemment, rien de nouveau sur la comète, hein, si vous êtes un habitué. Mais ici, on va retrouver donc des voitures plutôt bien réalisées avec une physique qui correspond parfaitement, je trouve, à ce qu'on a de moderne dans les WRC, et ça renvoie aux oubliettes un certain WRC 6 qui malheureusement a certes des qualités, mais visuellement n'a rien à envier à ce Richard Burns Rally. Alors au niveau de la physique, on est sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus poussé, beaucoup plus fin, beaucoup plus technique et précis. Les cabossements, les creux et les renforts de la route sont parfaitement utilisés par la voiture dans sa physique. On a des sensations absolument énormes. Je suis actuellement au T3P Pro, ce qui me permet de jouir d'une pédale de frein complètement cassée, si vous avez suivi un peu les aventures récemment. Donc je freine avec l'embrayage, malheureusement j'ai pas trop le choix, mais malgré ce problème qui m'est personnel, eh bien le fun est là. Par contre pour le frein à main, je vous invite à modifier un T3, un TH8A pardon, ou éventuellement, comme moi, utiliser un bouton parce que ça fait très très bien le café. On est sur le T300 toujours avec le volant Alcantara, puisque c'est ce qui va le mieux, je trouve, avec ce genre de voiture qui se laisse parfaitement conduire. Alors quand je dis qu'elle se laisse conduire, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, parce qu'habituellement, dans Richard Burns Rally, on a quelque chose d'un peu plus délicat à piloter selon les voitures, notamment les groupes B qui sont monstrueuses, vraiment IRL, mais là c'est encore pire. Où est-ce qu'on doit aller ici? À gauche. Alors heureusement pour les plus néophytes, je vous rappelle que vous pouvez avoir les commentaires en français, c'est fini. Alors normalement je crois qu'il faut, voilà, attendre le panneau rouge et là, fin du chrono. Allez, on passe à la neige. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais essayer de reprendre où j'en étais. Je disais que pour les plus néophytes, je ne vois pas la route. Où est la route? C'est atroce. Alors on a plusieurs plans évidemment en caméra embarquée. Donc pour les plus néophytes, c'est vachement facile de prendre en main ces voitures. C'est loin d'être les voitures les plus compliquées de l'histoire de Richard Burns Rally. Donc le mode est plutôt pas mal à ce niveau là Sachez que personnellement je roule sans assistance. Alors on est avec la Hyundai i20.
Alors, vous n'avez pas le... le tas. Alors, on sent... On est vraiment blotti dans le... Reviens. Voilà, la piste est là. Je sais que c'est pas facile à voir, chère petite voiture, mais il faut que tu restes sur le tarmac, du moins sur la glace. Alors, on retrouve ici... vous avez les voitures de la saison 2016 qui sont donc pas trop compliquées à piloter. Parfaitement répartis, etc. Donc la physique, vraiment, je sais pas si on a quelque chose à redire. Au niveau des conditions ici, c'est pas la folie. Vous savez toujours choisir entre les conditions bonnes ou mauvaises ou aléatoires dans le jeu. Vous n'avez pas de mode carrière, vous n'avez rien ici. La version du jeu vous propose simplement de tester les voitures sur un rallye ou spécial. Il y a toujours la Driving School, l'école du rallye. Vous allez retrouver comme modèle donc toutes les voitures du WRC, mais quelques petites voitures supplémentaires du championnat WRC 2, donc les R5, la Ford Fiesta et la DS3, et surtout la Skoda Fabia. Je vous en testerai peut-être une ou deux. Reviens sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, voilà. Alors il y a des petites plaques de verglas, hein, c'est vraiment très très fun. Alors la particularité ici, c'est qu'on ne voit rien, et voilà. Et ben voilà, il suffisait de le dire pour que vraiment là j'aille me mettre dedans tout seul, comme un grand. Alors, vous voyez ici, c'est censé être le rallye du Japon. Vous voyez qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Ou alors, j'ai vraiment eu un problème de boussole. Mais là, on est plus sur de la Suède. Mais ça fonctionne bien. Franchement, là, reviens. Voilà, j'ai fini dans le talus et ma phrase en même temps. Donc, on vous testera aussi d'autres voitures. Et enfin, dans la liste, il y a la toute petite DS3 Junior hein, qui est présente. Donc, tout ce qui a roulé quasiment, je pense, en WRC cette saison. Pas de Peugeot 208 R5, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir, et pas d'indépendante comme des Subaru ou des Impreza anciennes ou quoi. Il n'y a pas d'historique, vous avez vraiment que ce qui a couru en 2016 dans ce mode. Alors c'est un standalone qui est pas mal, parce que si vous voulez tester, que vous n'avez pas une grosse connexion, vous ne devez pas vous taper le téléchargement de tous les modes, etc. Et le jeu est quasiment en abandonware, hein, on va dire ça, plus de 10 ans après sa sortie. Et ça nous rappelle qu'il y a un concurrent à ce jeu, si on peut appeler ça comme ça, c'est Dirt Rally. Mais quand on voit Dirt Rally, il suffit de se replonger 10 minutes dans Richard Burns Rally, d'oublier les graphismes. Alors nous, qui avons mon âge ou un peu plus, on a grandi avec ces graphismes, donc c'est pas choquant, mais je comprends peut-être un joueur de 15 ans ou même 15-17 ans être un peu choqué par la qualité graphique. Personnellement, je trouve ça vachement correct pour un jeu qui a plus de 10 ans, hein. Je trouve qu'Air Factor 1 à côté fait plus tâche, ça c'est un avis personnel, mais voilà. Il y a des effets qui sont assez sympathiques, on vient de voir, je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous le verrez surtout au montage. Freine, voilà, avec le frein à main, c'était compliqué. J'espère que vous le verrez au montage. En fait, des fois vous avez des biches qui traversent, des photographes qui s'écartent au dernier moment de la piste, des oiseaux qui s'envolent, des mouettes, enfin bref, il y a pas mal d'animations extérieures à la piste. Ça c'est presque un test de Richard Burns Rally que je vous fais, mais si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que tout cela est de base, comme par exemple l'assistance technique où bien vous vous mettez dans le talus. Où est-ce que je dois aller là? Voilà, vous vous mettez dans le talus dans le fossé et on va tout simplement venir vous chercher. On va évoquer le son de ces voitures, mais je vais vous laisser profiter, je pense, parce que si j'ai un bon souvenir, je crois que la spéciale est bientôt finie. Et je vous... Oui, reviens à gauche, voilà. Donc on peut toujours se sauver avec un petit coup de frein à main, c'est ça qui est génial avec ce jeu, c'est que c'est extrêmement précis et... Oh, bah voilà. Bah écoutez, on va en rester là, je pense. Allez, et ça glisse très très fort. Alors, on est sur une spécialité extrêmement rapide. On est sur le type de rallye vraiment sud-américain ou africain. On est du rallye du Kenya ou quelque chose comme ça, ou du Mexique. C'est très poussiéreux. Et on se retrouve avec la DS3 WRC. Et surtout, je vous ai laissé un peu profiter du son au départ, mais je vais essayer de vous montrer aussi quelques plans en caméra embarquée, parce que l'une des forces de ce jeu, c'est certes la variété de caméras. Alors je vais essayer d'utiliser ici, vous voyez, je suis sur le tableau de bord avancé, je vais essayer de vous montrer différents types de caméras avec lesquelles vous pouvez piloter. La seule que je vous montrerai pas, je pense, en vidéo, c'est la vue poursuite, qui est certes très bien faite, mais qui, quand on pilote à notre niveau, n'est pas intéressante outre mesure. Ça va très très vite ici, on est quasiment pied à fond dans les enchaînements, et ça c'est vraiment le pied avec ce genre de voiture, parce qu'on ressent... On va quand même descendre en 3, voilà. On ressent pas mal d'aspérité de la route et on a vraiment l'impression que les roues tapent contre les gravillons. Et c'est une sensation absolument génialissime. Les couleurs sont magnifiques, franchement, visuellement, on a quelque chose de très très propre pour du modding.
Je sais pas, je vais essayer de rester pied à fond, mais je garantis rien parce que parfois on peut se faire rapidement surprendre et ici les dégâts sont tels que, eh bien, il suffit de sortir une fois de la route pour avoir, eh bien, une roue décentrée. Mais oh, ça va très vite ici dans la descente. Enfin, les enchaînements, c'est absolument somptueux, le décor qui défile, franchement. Alors au niveau du chrono, je vous ai pas précisé, mais ne vous attendez pas à des secteurs de malades. Hein. J'ai plus joué au jeu vraiment depuis quelques années, depuis le mode RSRBR 2012 ou 2013, donc là voilà, on est vraiment sur du... On est vraiment sur du redécouverte. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc le lien est dans la description si vous souhaitez d'aventure vous... vous tâtez. Oh, c'est trop large. Est-ce que ça passe? Oh là, je perds ma voiture. Oh là là. Oh là là. C'était très chaud. C'était extrêmement chaud. Mais on continue à attaquer parce que c'est l'âme de cette spéciale. J'aime vraiment beaucoup. Mais elle est très courte, je crois, celle-ci. Elle est presque même finie. Ah bien voilà, on est à l'arrivée. C'était rapide, mais c'était très fun. Arrivé en trombe. Allez, on continue dans notre série des voitures du championnat du monde WRC avec cette fois-ci l'Apollo championne du monde. D'ailleurs, au passage, on vient d'apprendre que eh bien, Sébastien Ogier se retrouvera chez M-Sport, la première voiture que l'on a testée, la Ford Fiesta, à partir de l'année prochaine. On a également eu la découverte, la présentation hier, pardon, grâce à notamment Tommy Mäkinen, qui est un de mes pilotes préférés de mon enfance, un de mes idoles de jeunesse, à l'époque avec Mitsubishi notamment, hein, les Evo 6 et 7. Eh bien ici on retrouve Toyota qui a présenté sa nouvelle Yaris qui est plutôt mignonne je trouve. Alors pour moi la plus agressive reste la Hyundai i20. Alors voilà, on passe sur une autre vue. J'essaierai, oh là ça glisse beaucoup, j'essaierai de vous montrer ça au montage, mais là on est sur la vue, moi je roule avec la vue capot. Et c'est plutôt sympa. Pareil au niveau des notes, vous allez avoir une petite une petite consonance du sud. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, j'ai tapé en fait avec le fond de la voiture et j'ai l'arrière qui a voulu passer devant. Je croyais vraiment pas que j'allais la récupérer. J'ai eu très très peur. Oh la vache. Ouh. Bon écoutez, on continue, on va voir si on ne s'est pas encore vraiment crashé hein, ici. Même si on est parti à la faute tout à l'heure dans la neige. Donc on a vraiment pas mal de variétés au niveau sonore aussi. Et on a quelque chose qui n'a pas été compris ni amélioré depuis le temps par les développeurs de jeux de rallye. Notamment je pense à Milestone, à Kiloton et autres, Sébastien Loeb Rallye Evo. Même Dirt Rally, même si Dirt Rally est très très bon, on a quand même un certain manque au niveau du son. Et je trouve qu'ici pour... Oh ça freine pas. Ben voilà. Ben voilà. Essayez de vous montrer, ah bah voilà, comme ça c'est freiné. Normalement on va voir, voilà, l'animation des gens qui viennent nous remettre sur la piste. Ce qui n'existe plus depuis des épisodes et des épisodes hein, dans les jeux de rallye. Et je vais essayer de vous profiter un petit peu du son in-car et en vue extérieure pour que vous puissiez vous faire un avis. Et on reprendra tout à l'heure avec une évocation des notes du copilote. Et ça glisse beaucoup, c'est très très fun en tout cas. Oh, je l'ai un petit peu abîmé je pense là. Ah, effectivement, allez, on vous laisse profiter de la fin de la spéciale avec le son de cette superbe Polo WRC. Ah ben voilà. Ça c'est réglé, on vient de réajuster le côté gauche. Donc voilà un petit peu pour le son, je vais vous en montrer encore un peu après. Je parlais brièvement, j'avais dit que j'allais vous parler des copilotes. Le copilote faut s'y habituer mais il est... Oh je vais encore me mettre dehors. Mais c'est pas possible. Oh les arbres. Oh là là. Ah ben, est-ce que j'ai réussi à tous les éviter? Oui c'est formidable. Bon écoutez, on va continuer ailleurs avec une autre course. Rapide à droite, long 50. Moyen à gauche 30. Doucement à gauche. On se retrouve en France avec la Skoda Fabia WRC 2, la R5, coup de frein à main. Hop, ouais, c'est pas top le frein à main sur ce coup-là. Donc on est sur la spéciale française de ce Richard Burns Rally. Donc je vous parlais du copilote avant de me crasher lamentablement. Fallait bien que ça arrive, hein, c'est Richard Burns Rally. Il est donc facile de s'y adapter. Par contre, vous allez avoir quelques petites consonances du sud puisque parfois vous allez entendre de l'espagnol parce que de base, en fait, vous allez avoir le copilote qui parle en espagnol. Mais 99% du temps, vous allez retrouver votre copilote avec
sa voix française et des notes qui sont particulièrement précises. Alors moi j'ai toujours eu un problème dans Richard Burns Rally, c'est en fait l'affichage du tracé qui est en fait en haut hein, et qui est pour moi trop loin du champ de vision du pilote, puisqu'en fait quand vous pilotez vous regardez au loin. Et tout en haut, vous allez le voir au montage, je vais essayer de vous montrer. Voilà, en fait, vous pouvez voir, je ne sais pas pourquoi je vais vous montrer, vous le verrez. Juste en haut, vous avez les notes qui défilent avec le nombre de mètres restants. Alors, c'est très très bien, mais malheureusement, c'est tellement loin du point d'attention du pilote quand on roule que bah, ça n'apporte pas grand-chose. Vous constaterez aussi qu'en vue embarquée, on n'a pas droit au changement des rapports de boîte parce que ça n'existait pas à l'époque, il y a simplement le HUD qui est dispo. En parlant de ça, vous vous demandez certainement pourquoi le HUD est aussi proche du centre, que ce soit le chrono à gauche ou... Et eh bien en bas à droite, votre compte tour et rapport, encore du sous-virage ici, c'est terrible avec cette Fabia, cette Fiesta, rendez-vous compte. En fait, le jeu est à la base en 4 tiers, tellement il est vieux. Mais vous allez pouvoir aller dans les fichiers du jeu, vous avez un fichier richardburnsrally.ini, vous modifiez la résolution en 1920x1080 comme je l'ai fait, et vous allez pouvoir profiter, elle est très très lente dans les épingles, c'est atroce, vous allez pouvoir profiter du jeu en 1920x1080 et c'est correct, à part voilà peut-être l'affichage du HUD qui est un peu trop serré, mais ça on s'y habitue très vite et finalement c'est pas un mal tant que ça, puisque un coup d'œil rapide vous montre que vous êtes dans votre rapport de boîte. Autre détail, on ne peut pas piloter avec la boîte en H sur cette version 2016. Je sais que modé, on peut je pense rajouter les commandes de rapport de boîte selon, oh, c'est très très serré ici, selon le secteur que vous utilisez, le type de voiture, mais ici vous êtes uniquement en séquentiel et rien d'autre. Allez, vous avez entendu le Vamos qui lance chacune des spéciales. Ça, je vous disais, le côté latino de ce jeu standalone. Avec donc cette fois-ci l'autre, ouais, le sous-virage, l'autre DS3, la R5. Alors, il faut freiner ici. Oh, c'est très serré le survirage. Oh, c'est kiffant, bon sang. Si vous pouviez vous rendre compte du plaisir que c'est, si vous avez un bon volant, même un vieux G25, hein, franchement, un Driving Force GT, n'hésitez pas, ça, c'est 1,5 GB de pur plaisir. Alors, vous n'allez pas passer des heures dessus, à moins de tryhard, évidemment, mais il n'y a pas de multi, il n'y a rien. Hein, c'est juste vraiment le modding dans sa splendeur. Ouais, allez, on a perdu un peu de temps. Il y a pas mal, regardez, il y a pas mal de trous sur la route aussi. Et quand on les prend, on les ressent vraiment dans le volant et il faut y faire très attention. Alors par contre, les ornières aussi à l'intérieur des virages sont très utiles pour y caler sa roue, hein, un petit peu à la Takumi dans Initial D, si vous avez la référence. Eh bien, là, vous vous calez vraiment avec la roue dans la rigole et ça marche très très bien. Une voiture qui ici est aussi très plaisante à conduire, un peu différente. Il y a pas mal de variétés dans le comportement. Elles ne sont pas toutes avec une physique copier-coller. C'est aussi une des particularités de ce mode. Vous allez avoir droit à des voitures un peu plus faciles à conduire que d'autres. Personnellement, où est-ce qu'on va ici? Ah oui, c'est à gauche. Et voilà, allez, en première, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais ça passe. Vous allez avoir donc différentes vues aussi qui vont pas être forcément les mêmes dans toutes les voitures. Il y a des voitures qui auront des vues capot, des vues pare-brise, d'autres qui seront trop hautes, trop basses. Donc vous pouvez toujours régler le FOV grâce à un plugin, mais sinon c'est parfois un petit peu brouillon. À ce niveau-là, s'il y a vraiment quelque chose à redire de ce jeu qui est modé mais pas complètement, et eh bien ce serait de recalculer, de remesurer évidemment chacune des caméras qui est parfois mal approfondie et ajustée. Sinon pour le reste, pas grand chose à dire. Je vous laisse profiter encore une fois un petit peu des plans de cette DS3 WRC et du son qui est un peu différent de ce que vous aviez tout à l'heure avec l'Apollo notamment. Bon, c'est vrai que graphiquement, là, on vient de passer un guet et il y a un petit peu de... Enfin, un guet de l'eau, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Et on retrouve un peu ce côté fumé qui sort du capot, comme IRL, c'est du détail. Oh bah voilà, j'ai pas su freiner. Je croyais que j'allais la récupérer, pas du tout. Alors, on va peut-être le voir en caméra embarquée. Mais on peut perdre tellement de parties que j'ai sûrement dû arracher genre tout le pare-choc arrière, le coffre. Enfin bon, c'est vraiment hallucinant. Mais voilà, en tout cas, on va conclure tout doucement cette vidéo découverte. Je rappelle donc que c'est un mode standalone gratuit disponible dans la description. Il n'y a pas de virus, en tout cas, j'ai bien analysé personnellement avant de télécharger. C'est disponible donc gratuitement dans la description. C'est un jeu qui est un mythe du sim racing qui est encore utilisé aujourd'hui dans certaines ligues, certaines compétitions. Attention à la flotte, voilà. C'était très rapide là aussi, ça va très vite en cette fin de spéciale. Ah oui, la montée, la descente, c'est fun. Oh là là, attention, ça va très très fort. Et voilà, top, on va avoir fini bientôt sur la butte, j'espère. Voilà, et c'est fini pour cette spéciale. Alors j'ai pas résisté évidemment de vous en faire une dernière avec la dernière R5 dispo. Je crois que j'aurais fait à peu près toutes les voitures à part la dernière petite que je vous laisserai découvrir par vous-même. On est avec une spéciale très très courte de 2 km histoire de conclure cette vidéo. On est avec la Fiesta R5 donc. Et oh là là, putain, c'est vraiment excellent. Et voilà, donc je vous invite à télécharger bien évidemment ce mode, ce jeu standalone qui est vraiment du très très lourd pour pas cher en termes de téléchargement puisque c'est 1,5 giga. Et voilà, vous allez passer je pense pas mal d'heures, en tout cas une ou deux bonnes soirées à vous amuser avec ça avant de peut-être télécharger le mode RS-RBR. Est-ce que vous voulez peut-être, dites-moi en commentaire si vous voulez éventuellement une présentation du RS-RBR. Je vous ferai aussi un retour sur la piste, déjà, retour sur la piste, voilà c'est fait. Si pas un petit coup d'œil dans le rétro sur le Richard Burns Rally, mais de l'époque, vraiment comme nous on y jouait avec les voitures disponibles sans aucun mode, vraiment la version vanilla que vous pouviez retrouver en boîte sur PlayStation 2 et PC. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour vivre ensemble de nouvelles aventures en vidéo. D'ici là, bon amusement sur la piste. Je rappelle rapidement que vous avez toujours le projet crowdfunding auquel vous pouvez participer. On n'est pas loin, on a déjà 82% du budget récolté. Vous avez jusqu'au 1er janvier pour en parler autour de vous et agir. La plus petite donation est toujours la bienvenue, évidemment. Allez, merci à toutes et à tous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les amis!